si tu veux, tu peux faire bienvenue dans cette nouvelle vidéo, là, pendant que je conduis. Non, moi je... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme on dit à chaque fois. Bon bah c'est cool, on est arrivé là, on est au Mont d'Or. Donc il y a le chat qui est là, qui dort, hein, donc tout va bien. J'ai mis 7 heures. Voilà, 7 heures à partir d'Aigrefeuille. Aigrefeuille-sur-Maine, à côté dans le sud de Nantes. Donc 7 heures non-stop, enfin sauf pour prendre un peu de gasoil quoi. Donc bah, au programme, demain c'est l'anniversaire de Clémence. On sera le 18 décembre. Hein, Clémence, t'as à quel âge? 6 ans. Pour ses 6 ans. Donc au programme, demain c'est de la luge. Et puis après, c'est cours de ski lundi, mardi, mercredi. Et peut-être jeudi. On va voir. Je sais pas encore. 3-4 jours, ça ira bien pour une première fois au ski. Et puis bah, demain, il y a la finale. Bah oui, le 18 décembre. Il fait pas hyper froid. J'ai quand même mis mon petit chauffage électrique, quand même, quoi. Plutôt que de dépenser du gaz. Vu qu'on est sur l'aire de camping-car du Mont d'Or. Allez, bonne vidéo, générique! Charles! Et ça enregistre, et bien nous voilà au départ de la navette. Donc on est au Mont d'Or, hein, comme je le disais hier soir. Et puis bah on est prêts quoi. Voilà les filles, vous êtes prêtes? Ouais. Ouais, la combine et tout, les combines c'est ok, les lunettes, tout est ok, les gants. Et on va faire de la luge et puis on attaquera le ski demain. Allez, on va vous montrer tout ça. Peut-être, on va voir. C'est des boules de neige. J'espère qu'il y a de la neige au Capucin, c'est ça le truc. Allez, on va voir. Bon, en fait, je crois qu'on va faire juste un petit tour en bus, parce qu'il n'y a pas de neige. Le chauffeur, il nous a dit il n'y a pas de neige au Capucin, donc voilà quoi. Tant pis, c'est pas grave, on va faire un petit tour. Bon, en fait, voilà, donc décision est prise, attention, décision est prise, on mange, on se fait des pâtes et on bouge, on change de station, au revoir le Mont d'Or et on va à Superbès pour aller voir le match qui est à 16h tout à l'heure. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti, nous voilà rendus à Superbès. C'est l'avantage d'être camping-cariste, on peut changer de station comme ça, en rapide. Oula. Attends, le début du match, c'est la finale. Bon bah c'est cool, on est en place dans un bistrot. Ça va les filles, Clémence? Oui. Bien. Et toi Jeanne? Oui. T'es contente d'être au ski? Ouais. On commence demain matin le ski. Voilà. Et puis tant pis, Clémence elle a des cours de ski, elle est inscrite à l'ESF. Et elle a des cours de ski tous les jours de 14h30 à 16h30. Donc ça va être bien. Voilà, tu vas apprendre. Voilà. Jusqu'à jeudi. Bon bah ça va être chaud là, on perd 2-0. 2-0 à la mi-temps, c'est pas bon du tout. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai rencontré des gens super sympas. Je les ai invités à la table et c'est génial. Et vous allez bientôt vous abonner à la chaîne. Hein. Oui ou non? Oui, faut dire oui. Oui, 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 vous allez vous abonner. Hip, hip, hip. Oh, hey, 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 hey.
l'émotion. Oh là là. Ils vont marquer le troisième? Non. Prolongation, on n'en peut plus là, on n'en peut plus. Oh la vache. C'est complètement dingue. C'est du délire. Penalty. Il faut marquer. Alors il n'y a plus qu'à aller au resto hein, pour l'anniversaire de Clémence. Comme ça. C'est bon, ça va les filles? Vous êtes parées? Allez, direction les pistes. Alors Clémence, vos impressions pour cette première journée de ski de toute ta vie? Alors, bien ou pas? Bien. Bien. Donc t'as appris à skier avec le moniteur? Sans les bâtons. Sans les bâtons, d'accord. Et donc hyper bien quoi. Quand on a récupéré Clémence avec Jeanne, il n'y avait pas de problème quoi. Nickel. Bon, et toi Zach, c'est bien les vacances? Oui, t'as été faire ton petit tour sur ton aire de camping-car? Oui, c'est bien mon chat. Il fait quoi Clémence? D'accord. Et toi Jeanne, alors, cette première journée de ski? Bien. Bien, donc raconte un peu aux internautes. T'as fait quoi comme piste? Grande. On a fait la grande piste des œufs. Donc tu galères un peu, mais il y a eu l'espèce de chute. Sur les fesses. Sur les fesses. Mais c'était rigolo quoi. Voilà, et puis on va essayer de vous filmer tout ça dans la semaine quoi. Allez, nous on va manger. Allez, bisous. Et puis là, dans la série Cuisine en camping-car, on se fait plaisir. Parce que quand on était à la maison, je nous ai fait un bœuf bourguignon. Et puis ce soir, c'est bœuf bourguignon avec des pâtes. Et peut-être aussi demain midi. Quoi. On a notre petit chauffage électrique. Donc j'ai mis le thermostat sur 20, un truc comme ça, 20 degrés. Donc pas de problème, quoi. Ça marche, nickel. Par contre, il y a un truc qui me prend vraiment la tête, c'est que je vais être obligé de démonter toutes les toilettes là parce que ça fuit. Donc il y a un problème de joint quelque part, et ça c'est pas cool quoi, parce qu'on est obligé de mettre, je suis obligé de mettre une serpillière. Donc heureusement j'en ai deux. Donc ça va être des travaux à prévoir quoi. Bon, allez, une journée de boulot pour peut-être deux, pour refaire tout ça quoi. Voilà. Ça c'est un peu chiant. Alors au niveau des tarifs, donc là sur l'aire de camping-car de Superbès, ils ont tout refait, c'est sympa quoi, surtout au niveau de l'électricité. Donc j'ai payé 70 euros pour jusqu'à quand? Jusqu'à vendredi 11h, un truc comme ça. Donc pour 5 jours, voilà, 4 jours et demi quoi, enfin 5 jours, 70 euros. Au niveau de la loc, non, des forfaits. Donc moi plus les deux filles, on est à 350 euros, je crois, un truc comme ça. Je sais plus si c'est 340 ou 360. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La loc des skis, je pense qu'on en a pour 300 euros quoi, 100 balles par personne. Voilà, une petite semaine en venant de Nantes, il y en a pour 1000 balles quoi.
En gros, c'est ce qu'il faut compter si vous habitez à 500 bornes. voilà. Si on compte, ça revient à peu près au même de louer un appart. Louer un appart, il y en a quand même peut-être pour 100 ou 200 euros de plus. Et puis, c'est pas pareil, quoi. On est chez les gens. Là, au moins, on est chez nous, dans notre camping-car, dans Auguste. Voilà, si on a envie d'emmener le chat, on emmène le chat. Ah si, pour les cours de ski de Clémence, j'en ai eu pour 134 euros. 134 euros, normalement c'est pour la semaine, mais nous on va pas rester la semaine complète, donc le moniteur est au courant, elle aura sa médaille. Voilà. J'espère que toutes ces infos... Si, il y a les navettes. On a chopé un loueur de ski qui fait le gardiennage. Donc le soir, on dépose les skis là-bas. Ce qui fait qu'il y a zéro problème, quoi. On est bien. Franchement, on est pas mal. Toutes les pistes ne sont pas ouvertes. Mais je veux dire, pour débuter, ça suffit, mais grandement, quoi.